Salut les amis, c'est Joe Hazard, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour un nouvel épisode de Press Start Button. Et cette fois-ci, donc, on va s'attaquer à la compilation Sega Classic Collection, donc sur PlayStation 2. Une petite compile assez sympa qui regroupe donc 8 gros titres de chez Sega. Un titre, donc une compile que j'ai acheté il y a quelques temps chez l'ami Fox. Un grand merci à toi pour m'avoir revendu ce titre que je recherchais absolument. Franchement, je suis très content de l'avoir. Donc, en tant que grand fan de Sega, oui, je continue à rechercher donc tous les titres Sega disponibles sur diverses consoles, donc comme la Wii, la PlayStation 2, la Wii U, la Xbox, GameCube, DS, 3DS, PSP, PS Vita. Donc voilà. Toutes les consoles qui ne sont pas de Sega. Voili voilou. Donc je pensais vous faire un épisode Let's Run, mais il n'y a rien qui se lance quand on laisse la console aller. Donc je vais vous faire non pas non plus un épisode vous présentant les 8 jeux, parce que ça risquerait de durer trop longtemps. Donc je vous ferai 8 épisodes Press Start Button, chacun dédié donc à un titre disponible sur cette compile. Donc il y a le Bonanza Bros, Panther Bonanza Bros, il y a Space Harrier en 3D, il y a Hot Run également en 3D, Fantasy Zone, Golden Axe, Virtua Racing, Monaco Grand Prix et Columns. Donc ici, je vous propose qu'on partent sur le Virtua Racing, donc que je possède également sur 32X et sur Mega Drive. Je n'ai pas la chance de posséder la version Sega Saturn que je recherche également, mais qui a été développée quant à elle par Acclaim et non pas par Sega. D'ailleurs, cette version là m'a toujours fait bien rire, parce que bon, elle est bien et tout, enfin d'après mes souvenirs, mais le seul truc qu'il y avait, c'est que dans les tournants, dans les virages, les traces de freinage étaient en lévitation. Pas toutes, mais certaines. Donc ça, c'était comique, quoi. Voilà, donc on n'a pas mis de mémoire. Donc Sega Age, 3D Age ici. À savoir que sur la PlayStation 2 Jap, il y a également beaucoup d'adaptations comme ça en 3D dans la série Sega Age. Mais bon, j'aimerais bien la choper, mais il faudrait que je chope également une PlayStation 2 Jap pour bien faire. Une console que j'avais également par le passé, que je regrette d'avoir liquidée. J'avais la PlayStation 2, l'édition Final Fantasy X. Et malheureusement, je l'ai liquidée, donc... Avec l'excellent jeu Ken le Survivant, là, Hokuto no Ken. Et bon, ça, j'essaierai à l'occasion de me la retrouver. Donc ici voilà, il n'y a pas de musique, pas de son, rien du tout pendant qu'on laisse tourner, mais il n'y a pas grand chose à voir. Je vais pas vous faire un let's run comme ça sans son, sans rien. Et puis je pense que si c'est comme sur Hot Run, parce que j'ai vite lancé un petit peu pour voir s'il y avait un peu plus long à vous montrer, quoi, si je faisais un épisode let's run, mais il n'y a que un petit truc par jeu, quoi. Donc voilà, ici, yep. Donc, comparé à la version 32X dont je vous avais fait un épisode Press Start Button il y a quelques mois, je ne me souviens plus, je pense qu'il y avait l'arcade mode, un mode Grand Prix ou un truc comme ça également. Mais je ne serais pas, il faudrait une fois à l'occasion que je vous refasse une autre vidéo, parce que la vidéo Press Start Button que je vous avais fait, il me semble que je m'étais juste attardé sur le mode arcade et un peu le free mode, il me semble. On va aller voir dans les options. Yop, vibration. Ah ouais, ça, par contre, ce qui est bien, c'est qu'il y a, donc comme vous pouvez le constater, la vibration, ce qui n'avait pas dans les autres opus sur 32X, Saturn et Mega Drive, bien entendu. Ça, on va laisser comme ça. Hop. Alors, on va essayer quoi? Il n'y a pas une difficulté ou... Il me semble... Non.
Allez, donc en mode arcade. Il y a un mode en écran splitté également du joueur. Donc ici les trois circuits de la version arcade, franchement avec la musique toujours aussi mythique et aussi excellente. Franchement que des souvenirs. Alors on va passer au premier circuit. Ah ici il y a difficulté normale, hard et easy. On va le laisser en easy pour commencer. Laps Grand Prix normal, on va le laisser en normal. Grand Prix à mon avis il y a plus de tours. On va pas non plus faire en sorte que la vidéo dure des plombes. Yep, donc la vue que je préfère. Normalement il y a d'autres vues aussi. Ah ouais, ça c'est la vue du dessus. Yep, vue un peu en hauteur. Franchement la maniabilité elle est bonne jusqu'à maintenant. Enfin je viens de commencer mais... Et pour les autres vues... Ah ouais, triangle pour la vue ici. Wings. Je suppose qu'il y a... Ouais. Oh là 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 là, pas cette vue là. C'est pas... Voilà, ici ça ça va, mais l'autre vue intérieure... Donc la version, ben évidemment, elle est plus jolie que sur 32X. Comme vous pouvez voir, la grande roue ici, elle était multicolore. Et il y avait deux roues différentes, plus le bateau pirate, qu'il n'y a pas sur la 32X. Faudrait une fois que je vous fasse une petite vidéo comparative. Mais bon, faudrait que j'ai le temps aussi. J'ai tellement de choses à faire en vidéo que... La version Saturn, graphiquement, je m'en souviens plus trop, mais à mon avis, ça doit pas être... Ça ne doit pas être mieux que celle-ci. C'était quand même la génération précédente, donc... Mais bon, c'est quand même une version que je recherche également. Eh ben niveau maniabilité, franchement, c'est très bon quoi. Par contre, 11e sur 16, toujours, et il est en facile. J'ai essayé de l'éviter, mais je me suis dit dans le virage, je vais me le prendre. Et en effet, hop, en mode tondu. Regardez ici les deux grands trous et le bateau. Mais c'est quand même un peu aliasé, hein. Enfin, un peu beaucoup, mais ça pique aux yeux. C'est la résolution pardon de la console. Ce serait bien qu'ils nous refassent une compile avec leurs jeux d'arcade sur les consoles actuelles. Franchement, Virtua Racing, Daytona USA, Daytona USA 2, Scud Race, tout ça, ça serait des pure tuerie quoi. Outrunners, qu'est-ce que j'ai adoré en arcade. L'effet de vitesse n'est pas très convaincant. Eh ben je suis arrivé juste avant la ligne et j'ai foiré, chef. Eh ben il n'est pas évident. Hein. Faut vraiment. On n'a pas beaucoup le droit à l'erreur. On va peut-être partir sur le mode Grand Prix, voir ce que ça donne. Si ça ne va pas, ben on reviendra sur le mode arcade. Démontrer. Hop. Jojo.
On peut choisir la couleur, la couleur de son bolide, excellent. Ben moi, ça sera en rouge, je crois qu'en bleu ou en vert pour la Xbox, mais on va le mettre... on va le laisser en rouge, hein, l'origine, la couleur d'origine. Manuel, automatique, automatique. Olaf, viens ici. Pépère, de toute façon, j'ai beau lui parler, il est sourd. Regardez-moi ça, ce coucher de soleil. Non, franchement, c'était bien fait pour l'époque. Vous avez vu les jeunes avec vos jeux de course actuels qui en mettent plein les rétines, plein la rétine. Et nous, nos premiers jeux de course 3D, parce qu'on a commencé avec les jeux de course en 2D sur Mega Drive Master System, du moins pour ma part. Il y en a qui ont encore joué aux jeux de course sur Atari aussi, bon j'ai connu aussi, mais à peu près à la même période. Et ça me disait trop rien à cette époque-là. Mais vous voyez les premiers jeux 3D sur lesquels on a joué, nous c'était ça. Eston Trace FX sur Super Nintendo, qui est vraiment excellent aussi, que beaucoup ont critiqué, mais franchement moi j'ai adoré. Je vous en ai fait d'ailleurs un épisode Prestart Button également. Je vous invite à aller le voir. Si c'est pas déjà fait, franchement, pour de la Super Nintendo, c'était excellent, très beau, la musique aussi, superbe. Et la jouabilité, ben, rien à dire quoi. Ah ben deuxième sur 8. Il y a de l'espoir. Enfin il est en facile aussi. Bon, déjà plus facile que le mode arcade. Hein. Et le premier est là devant moi, je me bats, je passe en mode tondeuse et c'est reparti. Donc je vous ferai pas les 8 épisodes Prestart Button sur les 8 jeux différents à la suite. Hein. Je passerai certainement sur d'autres jeux entre temps. Mais je vous ferai, promis, je vous ferai un épisode sur chaque jeu de cette compile. Je vais pas les enregistrer ici les uns après les autres non plus parce que j'ai envie de faire d'autres jeux. Je devrais penser à rebrancher ma GameCube également pour vous en proposer quelques épisodes. GameCube, une console également qui peut venir dans la catégorie de cette playlist, donc Prestart Button pour les jeux rétro quoi. Même la Wii, vu qu'il y a eu la Wii U et qu'il y a la Switch maintenant, donc la Wii peut également venir dans cette catégorie. Donc Super Nintendo, j'ai pas la NES malheureusement, donc Super Nintendo, Nintendo 64, GameCube, oui, Master System, Mega Drive, 32X, Mega CD, Saturn, Dreamcast, j'ai pas le boîtier d'acquisition qu'il faut pour pouvoir capturer de la Dreamcast malheureusement. Alors Xbox, Xbox 360, ça va pas non plus dans cette catégorie, donc juste Xbox. PlayStation 1, PlayStation 2. PS Vita, je sais pas capturer non plus. Hein. À l'occasion, s'il y a de beaux trucs à vous présenter en Let's Run, ça je sais encore filmer avec le smartphone à la limite. Game Over ou Alan Goal. Premier, bah ouais, premier d'office. Je vais vous laisser un petit peu le replay, le replay. Sauf s'il démarre pas si. Ah bah ça fait plaisir, mais bon, enfin c'est en facile, mais au moins on sait s'amuser et... Parce que bon, je suppose en normal, ça doit être un peu plus dur, logiquement, c'est logique, mais... D'abord s'entraîner en facile et connaître les circuits par cœur et après tenter les difficultés plus élevées.
Donc il y a quand même, ouais, il y a celui-ci, il y a Monaco GP et Hot Run. Donc il y a trois jeux de course. Un Beat'em All, Golden Axe, Spessarié aussi, un truc bien fun. Le Bosan Zabros, là, j'ai jamais trop joué, même sur Mega Drive. Mais bon, apparemment, cette, ça existait en arcade, ça, je ne savais même pas. Mais le Colune, ça c'est un grand classique. Fantasy Zone, c'était sur Master System. Un petit shoot bien coloré, tout kawaii. Je vais pas vous laisser la totalité des tours. Parce que si je fais ça à chaque circuit, ça va durer une plombe. Normalement, si c'est comme sur 32X, il me semble que sur 32X, il y avait des circuits supplémentaires. Pas sur le mode arcade, parce que le mode arcade, c'est d'office les trois de la version arcade, bien entendu. Je pense qu'il y avait au total, c'était 5 ou 6 circuits. Je me souviens plus. Voilà, pas de sauvegarde. Ah bah ça enchaîne le round 2, donc deuxième circuit. Le ciel, aps, merde, regarde pas le ciel, tu regardes devant toi. Putain, l'autre il avançait pas ou quoi? Le ciel est couvert comme vous pouvez le constater. Oh mais que de souvenirs ce jeu, franchement. Super content franchement de l'avoir chopé cette compile. Oh, niveau maniabilité franchement ça va. Je pense que je me plantais plus dans la version 32X qu'ici. Enfin je viens de commencer aussi donc parlons pas trop vite non plus. Mais franchement c'est du bon. Ouais, cette musique. Ah, il y a que les vieux de la vieille hein, qui peuvent comprendre ce que je ressens là à l'instant. Ceux qui ont connu cette bonne période, ce jeu sur borne d'arcade, quand le jeu est sorti sur Mega Drive, oh là 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 là. Mais c'était presque orgasmique, franchement, malgré la qualité. Évidemment moins bonne que sur borne d'arcade, le jeu s'en sortait très bien et c'était une tuerie quoi à l'époque. Et le jeu, je me rappelle, il coûtait 4000 francs belges, donc la conversion en euros, ben quasi 100 euros, le jeu coûtait 100 euros quoi. C'était la cartouche la plus chère de la console, alors que auparavant, enfin, les autres cartouches qui étaient le plus cher en général, un jeu c'était entre 2000 et 2400 francs belges. Et il y en a eu à 3000 francs belges à l'époque, je pense, comme le Street Fighter il me semble, mais je me trompe peut-être. Il y a eu certains titres comme ça qui coûtaient une blinde. Donc 3000 francs belges, 75 euros. Et celui-ci c'était le plus cher, 100 euros. D'ailleurs, je ne l'avais pas acheté en neuf à l'époque. C'est par après que je me le suis chopé en occasion. Et je pense même que pour le moment, j'ai deux versions de ce jeu sur Mega Drive. J'ai celle que j'ai d'époque, que je garde par nostalgie. Et j'ai une version que j'avais achetée à un gars sur Facebook, à RVN, qui n'est plus dans mes amis d'ailleurs, tiens que je pense à ça. Et je lui avais acheté à lui parce que bah, il est... Il n'était pas très cher, mais le manuel était en meilleur état que le mien. Donc, voili voili. Oh putain! Pas dans le sable, Joe, pas dans le sable. Ça dérape bien, en tout cas, franchement. Et premier encore. Il y a des jeux qui sont plus beaux que ça actuels et que la maniabilité est moins bonne.
Allez, on va laisser peut-être un petit tour de replay, mais pas plus. Ah ben je me surpasse là, je me surprends premier en tchatchant, en babelant comme je fais, comme une gonzesse. Ah ben on est premier avec 20 points, c'est bien, 10 points d'avance sur le second. Car je vous rappelle, le second c'est un con. D'après ce que j'ai remarqué, les traces de freinage restent d'un tour à l'autre aussi. C'est un petit détail, mais c'est peut-être un détail pour vous, mais pour moi, ça veut dire beaucoup. Je n'irai pas jusqu'à taper du piano debout. Non, je ne jouerai pas du piano debout. Allez, on va arrêter donc le replay. Yep. Allez, round 3. Oh, des galinettes cendrées. Petit coucou à mon ami Koyu. T'as vu, sur cette version, il y a les galinettes cendrées. Excellent. Il n'y avait pas ça dans la version 32X. Et je pense même pas dans la version Saturn. Mais bon, j'ai très peu joué à la version Saturn. Le seul truc qui m'a marqué quand je l'ai essayé, c'était les traces de freinage. Pas celle du calbar, celle du jeu. Oh merde! Bien rattrapé, Joe. Putain, comment t'as fait? Passe en mode tondus, Binks. Oh là 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 là, on me rentre dans le cul. Je peux pas vous dire que j'ai l'habitude, parce que vous allez le prendre autrement, mais c'est vrai que la dernière fois que je jouais à un jeu de course, on m'est rentré souvent dans le cul. C'était sur Gran Turismo Sport. Allez, troisième, c'est le deuxième tour. Oh, par contre, quand ils mettent les inscriptions avec les temps, tu vois plus du tout... Bien. Je pensais que j'allais me le prendre, mais... Regardez-moi ce moulin. Franchement... Un petit détail, mais... sympa quoi. Oh putain, comment il arrive à me dépasser dans l'air plus. Oh là là là, je maîtrise plus rien. Mais on reste troisième, peut-être pas longtemps, mais je me bats. Ça se voit peut-être pas, mais je me bats. Binks, tiens, bats-toi avec ça. Par contre, ce qui est pratique, regardez ici, je lui ai rentré moi dans le cul. Et il est bien ralenti, donc du coup j'arrive à le dépasser. Il réaccélère pas aussi vite que moi en fait. Je sais pas si c'est dû au fait qu'il est en facile. Parce qu'en normal c'est pareil, ou ils sont plus coriaces à mon avis. Ils doivent être plus coriaces et redémarrer plus sec. Je peux se tromper ici, Joe. Merde, là par contre j'allais aller à gauche, alors que je sais pas pourquoi. C'est pas toujours évident de voir par où va le virage, dans quelle direction il va, parce que c'est aliasé, mais incroyable. Allez, on est deuxième. Avec les jolis palmiers qui nous font penser
Green Hill de Sonic. Il y a même des moutons là, il y a des bestioles, j'ai pas eu le temps de voir là, mais il y a des trucs juste à côté du moulin. Ça me fait penser comme la le Daytona USA là, avec les chevaux qui couraient dans... Enfin, je pense que sur Saturn il y avait qu'un cheval. Et en arcade, il y en avait, il me semble, 3, un truc comme ça. 3 ou 5. Il y en avait plusieurs. Si je dis pas de bêtises. Hein. Il me semble qu'en Saturn, il y en avait qu'un. Et on est... Ah bah deuxième, ça va, c'est pas encore catastrophique. Ah, les petites galinettes cendries. Qui prennent leur envol. Qui vont finir noyés dans cet océan bleu turquoise. Non, bleu tout court d'ailleurs, il n'est pas turquoise. Ah, j'aurais dû chercher après mes mémories en mettre une, franchement. J'aurais pu enregistrer mes scores et... Mais bon. Ah, regardez, on n'a pas eu le temps de voir, allez. Les bestioles, à mon avis c'était des moutons, mais des moutons bruns. Ça peut pas être des cochons non plus, ils sont huillés, non. Le détail avec les petits éléments du décor qui sont en lévitation là, quand tu vois dans les replays, c'est marrant. Allez, on va passer à la course suivante. Round 4. Ah bah, il fait tout gris encore. Donc on fait, il fait gris un circuit sur deux. On est dans le Grand Canyon ici. Allez, avance. C'est quand même assez bien de clipping, mais bon, c'est pas encore énorme. Pinks, allez, profite vite que vous passez par la droite. Ah non, t'as ralenti là, c'est pas le truc. Deuxième, ça peut aller. Ça peut aller, il est pas trop loin, mais faudrait pas trop se planter non plus. Et l'aliasing, ça fait mal aux yeux, hein, purée. Des fois, quand il y a un virage, tu sais pas vraiment par où, s'il va aller à droite ou à gauche. Faut vraiment connaître les circuits par cœur aussi. Temps là, franchement, on a bien le temps hein. Avec le checkpoint, on est toujours bon quoi. C'est jamais serré le string. Bon, je sais pas si on va le rattraper,
Ce virage-ci, je les ai bien gérés, franchement, je suis content de moi. Mais là, c'est pas évident. Et il est là, hein, il est là, il est juste devant nous. Hein. Merde, j'allais essayer de lui rentrer dedans. Mince, voilà. Hop, pour vite reprendre un peu d'avance, si c'est possible. Si je vais trop sur le béton, enfin sur le gris clair, là, ça me ralentit. Allez, final lap for Josard. Et premier hier. Yeah. On va laisser un petit peu le replay. Beings. Ça va, ici sur trois circuits, on a bien géré. Il était proche, hein, à 3 secondes, le deuxième. Et on a 10 points d'avance encore sur le deuxième, c'est bien. Allez, on va continuer. Yep. Et on attaque le cinquième round. Bah, il fait tout gris aussi. Oh, j'aime les petites voix digitalisées là, d'époque, c'est excellent. Par contre, les étincelles, c'est un peu chiant des fois. Hein. Ça te brouille la vue. Déjà que c'est aliasé, que c'est pas toujours évident de voir dans quel sens, voit comme ici. Je pensais que ça allait vers la gauche, mais c'était vers la droite. En fait, tu dois regarder le tracé, enfin ton circuit, ta route, et en même temps le tracé qui est sur la droite, qui est lui-même assez chiant parce qu'il tourne. C'est assez déstabilisant, je trouve, surtout quand il vient quasiment presque là où tu dois voir. Merde, j'ai essayé de repasser par... Ah là là, deux fois la suite, c'est pas bon ça.
Putain, à chaque fois, j'ai la blague à ce virage-ci. Merde! Troisième. Allez. Putain, quatrième. Il est pas facile, hein. On voit qu'on arrive vers la fin. Oh purée! Je pense pas que ça doit être le dernier circuit, mais on voit qu'on y arrive tout doucement. Et là, juste au moment où je regarde le tracé pour voir si c'est bien à cet endroit-là. Oui, c'était là, Joe, t'as regardé un petit peu tard, par contre. Bon, ici... Je ne ferai pas mieux que troisième si je ne fais pas d'ailleurs pire. Mais pour rattraper le second, c'est impossible quasi. Je pense qu'il est trop loin. Bon, Joe, dis-toi que quand tu sais pas où tourner, ça sera vers la droite. Ok, j'ai essayé de m'en souvenir, Joe. Non, mais fais gaffe. Ah, putain, ouais, c'était là. Tu vois, tu fais le con, hein, mais... T'oublies, tu mérites des claques. Ouais, bon, exagère pas, merde, quoi. Je voudrais bien t'y voir à ma place. Tyrannus. Si ça passait, c'était beau. Moi, je dis ça, je dis rien. Et voilà, troisième. On est au moins sur le podium. Ouais, 4-3-2-1, 5-4-3-2-1 pour le deuxième et le premier 10. Acropolis. Allez. On va passer au suivant. Yep. Ah, final round. Oh là 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 là. Merde, j'aurais dû aller fermer la tenture. C'est avec le reflet dans...
La télé, putain, on voit rien. Avec beaucoup d'immeubles, on est en pleine ville. Mais avec l'aliasing, le clipping et... Regardez-moi ça, ce tracé là sur la droite, il est fouillis. Ça te brouille la vue, quoi. On va essayer de faire comme ça, de gérer. Regardez-moi ça quand il vient comme ça en plein milieu de l'écran, quasi. Ils ont même mis des chemins sur la map que tu dois pas prendre dans le jeu. C'est dingue. Ça, c'est mal fait par contre. Oh, mais... Et avec ça, je suis quand même troisième. Ah non, celui-ci... Autant il y a des immeubles et tout, c'est joli, mais autant... C'est le plus pourri du jeu parce que tu vois rien. Enfin, avec les quelques défauts qu'il y a dans le jeu, l'aliasing et tout, c'est atroce. Mais il y a peut-être possibilité, la carte, la map, là, sur la droite, qui pivote, là. Oh, putain. Oh, putain. Normalement, t'es censé prendre des tonneaux quand tu te prends le truc de face comme ça, à moins que j'avais freiné assez fort et que j'allais pas assez vite. Mais il y a peut-être moyen, je disais, de retirer cette map qui... Putain. Qui pivote, qui est assez gênante. Allez, hop, on repère une place. Dieu, c'est dingue, hein. Autant le reste des autres circuits, ça va, mais celui-ci, c'est celui qui va nous faire perdre le plus de place, il me semble. Oh putain. C'est atroce, je conduis presque à l'aveugle, je perds encore une place. Désolé pour ma qualité de pilotage sur ce circuit, mais c'est atroce. Bon, enfin, c'est dingue, ça. Oh putain, il manquait plus que ça. Ouais, c'est bon, c'est bon.
Eh ben dis donc, finalement on est cinquième, on est loin du podium. Mais bon, on a quand même un petit point normalement. Attends, 2 points je pense. Mais dis donc, il n'y a pas évident le circuit du tout, hein. Wow. Un 2 points. Je me dis, tu, je vais aller me faire un petit café pour me remettre de tout ça. Autant j'avais bien géré sur les précédents circuits que ici, et finalement je me retrouve deuxième quoi. Purée, j'avais 10 points d'avance. Mais bon, on finit sur le podium, on a déjà sauvé les meubles comme on dit. Voilà, donc on va arrêter là pour cette vidéo. Parce qu'on est déjà à 47 minutes, donc je vais pas aller jouer en free mode. De toute façon, c'est certainement le même circuit. Voilà, donc ici, on n'a même pas un truc de fin avec le podium ni rien, donc c'est dommage. On peut directement se refaire un autre championnat, un autre grand prix. J'aurais pu mettre un petit truc de fin quand tu es sur le podium. On va montrer ce que propose le mode free mode. Ah bah t'as pas le choix, t'as directement le menu. Choisir la course, donc Big Forest, Thaïlande, Bay Bridge, Mountain, Acropolis et Beltway. Voilà, donc on peut les faire sans doute en choisissant le nombre de... Le nombre de tours, sans doute, on va voir. Ok. Bah ouais. Entre 1 et un nombre infini à mon avis. Oh, purée, ça allait loin, hein. Il y a de quoi s'amuser, hein. À 50 tours. Yep. Avec un temps limite, oui ou non. On peut choisir le moment où on fait la course. Le temps ensoleillé ou nuageux, et avec les concurrents ou pas, donc c'est chouette, c'est pas mal. Mais bon, on va pas le faire ici dans cette vidéo. Donc voilà, on va arrêter là pour ce qui est de cet épisode Prestart Button consacré à Sega Classic Collection sur PlayStation 2, et notamment donc au Virtua Racing sur cette compile. Et je vous ferai d'autres épisodes évidemment sur chaque jeu qui compose cette compile. Donc c'est une compile qui date, je vois, de 2004. Voilà, 2000, enfin ouais, Sega 2003-2004, librairie 97-2005. Donc ça serait possible que c'est sorti quand même à 2005. Voilà, donc un petit jeu que j'ai acheté à notre ami Fox, donc encore un grand merci à lui de l'avoir vendu. Franchement, très content d'avoir récupéré donc cette petite compile que je n'avais pas à l'époque. Voilà, ben, j'espère que cette petite vidéo vous a plu les amis. En tout cas, moi je vous remercie de l'avoir regardé. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, liker, commenter, partager. Moi je vous donne rendez-vous très bientôt pour de prochaines vidéos. Portez-vous bien, jouez bien. Ciao, ciao.